Le roast beef au barbecue a un goût bien spécial. Sa cuisson peut s'effectuer de deux façons. Une fois sur le barbecue, vous n'avez plus rien à faire. Joyce Parslow, spécialiste du bœuf canadien, va vous montrer comment procéder et elle vous donnera des conseils et une recette venant du Sud. Pour la cuisson au barbecue, il est préférable de se procurer un roast beef pour la rôtisserie qui est taillé de façon à ce qu'il tourne plus facilement et cuise également. Il peut être cuit avec ou sans le tournebroche à chaleur indirecte. Si vous faites cuire à chaleur indirecte, vous pouvez utiliser un roast beef désossé de forme régulière, soit pour le four ou gourmet. Procurez-vous un roast beef de bœuf canadien tendre et bien juteux, de catégorie Prime, AAA ou AA. Les roast beef gourmets, haute surlonge et de côte, sont toujours tendres. Vous n'avez qu'à les assaisonner avant de les faire rôtir, ou alors vous pouvez les faire mariner de 1 à 4 heures pour ajouter de la saveur. Nous allons préparer le roast beef pour la rôtisserie à la lime et au chipotle en utilisant un roast beef d'intérieur de ronde pour la rôtisserie qui demandera plus de temps dans la marinade. Cette simple marinade combine le jus de lime frais, de l'ail émincé, des piments chipotlés, dans la sauce adobée, de l'huile végétale, de la cassonade, de la sauce au piment, du cumin, de la moutarde que vous pouvez placer dans un sac pour congélateur. Piquez le roast beef avec une fourchette afin de faciliter l'attendrissement d'un roast beef pour le four moins coûteux. Placez-le dans le sac avec la marinade, scellez le sac et réfrigérez de 4 à 12 heures. Épongez la viande à sa sortie du sac et assaisonnez-la de sel et de poivre. Conservez la marinade pour arroser ou comme sauce trempette après l'avoir fait bouillir pendant une minute. Faites chauffer le barbecue à feu moyen fort, soit 400 degrés Fahrenheit. Insérez le tournebroche sur la longueur et au centre. Sécurisez avec les fourchettes de retenue et insérez un thermomètre à viande au centre du roast beef tout en évitant le tournebroche. Placez le roast beef au-dessus d'un plat contenant de l'eau placé sous la grille. Fermez le couvercle et faites cuire à chaleur constante en vérifiant le thermomètre à l'occasion. La température doit atteindre 140 degrés Fahrenheit pour un roast beef mi-saignant, 150 degrés Fahrenheit pour un roast beef à point et 160 degrés Fahrenheit et plus pour un roast beef bien cuit. Un roast beef au barbecue a bon goût et est un aliment santé avec ses 14 nutriments essentiels. Pour d'autres recettes de bœuf et de l'information nutritionnelle, visitez boeufinfo.org.